La 28e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a réuni en Tunisie 245 délégués représentant 49 pays membres. Les 38 ministres et vice-ministres ont, avec l'ensemble des autres participants, abordé, entre autres questions, celles relatives à l'implication de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le développement rural et à l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. La consultation sous régionale a exprimé les attentes des pays vis-à-vis de la FAO et qui s'articule autour des actions suivantes. Continuer à fournir de l'assistance pour renforcer et maximiser la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Appuyer les pays à développer des partenariats avec les bailleurs de fonds pour échanger des expériences, formuler des projets et informer sur les initiatives en cours. Sa 29e session, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a convenu de la tenir en Côte d'Ivoire en 2016. En prélude à cette rencontre, la conférence régionale de Tunis a élu le ministre Kobinan Kwasi Adjumani, chef de la délégation ivoirienne, au poste de vice-président. L'organisation de la session d'Abidjan a été évoquée au cours de l'audience que le ministre Kobinan Kwasi Adjumani a eue avec le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. L'occasion pour le ministre ivoirien d'exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire à l'organisation onusienne pour son appui au développement de son secteur agricole.